Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Ricova. Je vais vous proposer une recette qui s'appelle Malabère. Alors cette recette, à l'intérieur vous avez du bubble gum, vous avez du citron vert, vous avez des fraises, des bois, vous avez du sucre et de l'additif vanille. Donc nous allons commencer tout de suite. Sans plus attendre, donc voilà, hein, comme d'habitude, j'ai préparé sur BioConcept donc mes petites étiquettes où c'est que j'ai tout marqué. Mon pense-bête en fin de compte. Je vais prendre donc une autre pipette. Voilà. Vous collez ça bien comme il faut dessus. Voilà, c'est tout prêt. Donc maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Prendre les gants. Et mettre les boosters. Donc moi, comme d'habitude, 1,5 mg de nicotine. Le booster. Et je mets... 1,5 mg. Voilà, vous voyez, je suis 1,5 mg à peu près. Voilà. Pour moi, c'est pas évident 1,5 parce que pour vous, à 3, vous avez la barre, à 6, vous avez la barre. Mais pour moi, il faut que je fasse le juste milieu. Donc, voilà, si je me trompe, ça rentre, c'est pas lui, c'est lui. Donc, maintenant, nous allons mettre nos produits. Donc, c'est toujours. Avec des produits AL, parce que je ne les ai pas de chez BioConcept, ces produits. Donc, je les ai fait avec AL. Donc, c'est toujours pareil, c'est une recette que je n'ai pas goûtée. La plupart des recettes que je fais, je les invente. Ou vous pouvez les trouver également sur Internet. Et donc, on va commencer par faire notre recette. Donc, bubble gum, j'ai mis 15 gouttes. Voilà, bubble gum, 15 gouttes. Voilà. Ensuite, après le bubble gum, nous allons mettre du citron vert qui se trouve ici. Voilà, citron vert. Le citron vert, 5 gouttes. 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en principe, ça va faire du malabar avec du citron vert et de la fraise des bois. Hein. Parce que la fraise des bois, je mets à peu près le même nombre de gouttes, j'en mets 5. Parce que je pense que. Citron vert et fraise des bois, c'est à peu près en goût la même chose. Je veux dire par là qu'il n'y en a pas un qui va étouffer l'autre. Il n'est pas plus fort. Voilà, fraise des bois. Et maintenant, nous allons ajouter donc notre sucre. Le sucre, 4 gouttes. 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Et nous allons mettre vanille, voilà, l'additif vanille. Nous allons mettre à peu près 4 gouttes aussi. C'est pas à peu près, nous mettons 4 gouttes. Vous voyez, ça fait à peu près une trentaine de gouttes. Hein. Il y en a un peu plus, mais... Pour retrouver ce petit goût de vanille qu'on peut retrouver dans les malabères. Pas trop prononcé, mais un tout petit peu. Voilà, donc voilà, j'ai fait le mélange de mes gouttes avec mon additif. Et maintenant... Il ne manque plus qu'à rajouter mon zéro. Allez, on ajoute. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre notre capuchon. Le capuchon, nous fermons. Et comme d'habitude, hein, bon, ça sent bon le malabar en tout cas, je vous dire franchement ça sent bon. On remue un bon coup. Voilà. Donc on voit encore bien hein, que c'est en train de se mélanger. Voilà. Donc on va le laisser peut-être une semaine et puis dans une semaine je vous dirai ce que j'en pense.
Parce qu'il y a quand même du bubble gum, donc il va falloir bien que tout s'imprègne. Je vais le laisser macérer au noir en le remuant un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit j'aime et puis même vous y abonner. Ça me ferait plaisir, ça me motiverait un peu. Me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des vidéos, des recettes à me proposer, allez-y, on les fera ensemble et puis on essaiera de voir ce que ça peut faire. Voilà. Sur ce, ami Vapoteur, passez une très bonne journée. Entre parenthèses, là, vous voyez, c'est du coquelicot chez Bioconcept que je suis en train de vapoter. Très bon. Voilà, à la prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. Voilà. À la prochaine vidéo, passez une très bonne journée.